Aspres-sur-Buëch est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Géographie. Entourée par les communes d'Aspremont, La Forie, et Vennes, Aspres-sur-Buëch est située à 26 km, au sud-ouest de Gap. Elle est située à 750 mètres d'altitude. Le sommet de la commune culmine à 1492 mètres, sur les crêtes dominant le bois de Saint-Apôtre. Le Buëch, dans sa branche du Grand Buëch, affluent de la Durance, est sous-affluent du Rhône, traverse le village. Communication et transport. La commune est située à l'intersection de la départementale 1075, ancienne route nationale 75, reliant Grenoble à Sisteron par le col de la Croix-Haute, et de l'axe constitué par les D993 et 994A, puis 994, reliant Valence à Gap et Briançon. La commune est dotée d'une gare ferroviaire, desservie par les trains express régionaux, reliant Grenoble à Gap, TER Rhône-Alpes, et sur la ligne Paris, Briançon, par Valence et Livron. Son aérodrome du Chevalet et la qualité de son air sont très appréciés par les tous amateurs de sport aérien. Hydrographie. La commune est arrosée par le Grand Buëch ainsi que par le canal des Patègues. Elle fait intégralement partie du bassin versant du Rhône. Toponymie. Le nom de la localité est attesté sous la forme de Asperie en 1171. Cette commune s'appelait autrefois Aspres-les-Vennes. L'adjectif occitan aspre, directement dérivé du latin asper, désigne, comme le français âpre, ce qui est dur, rude, rêche, raboteux, au sens propre ou figuré. Un aspremont est une montagne d'aspect rude. Il est également admis que le terme aspre signifie terrasse. Les toponymes qui en dérivent sont généralement des hauteurs escarpées. L'appellation sur Buëch fait référence à la rivière qui traverse la commune. Histoire. Le site est occupé depuis le néolithique, dans les grottes, des gorges d'Agniel. Oppidum gaulois, sert la croix, puis camp romain, sur la montagne des Aïegaux. Le bourg, propriété des comtes de Die, fut rétrocédé au XIIe siècle, aux exarchats de Montauban. Au XIe siècle, le monastère de Saint-Géraud d'Aurillac y créa un prieuré, sous le patronage de Saint-Géraud. Le retable provient de l'ancienne chartreuse de Durbon, dont les biens sont dispersés à la Révolution. En 1939-1940, des républicains fuyant la guerre d'Espagne ont été regroupés sous surveillance à Pont-la-Dame, qui est depuis un centre de formation de jeunes à la conduite de véhicules de travaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy y installa un centre de rassemblement. Pour préparer le débarquement de Provence, deux équipes Jutburg sont parachutées les 8 et 9 août, afin d'agir sur les arrières allemandes, et notamment sur les voies de communication. Disposant de 3000 FFI, elles prennent le contrôle de la RN 96, qui permet de remonter la vallée de la Durance, de Manosque, à Vennes. Au cours des opérations suivant le débarquement, les forces alliées franchissent très tôt les premières défenses allemandes, et se lancent dans de rapides offensives de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Vidoban, libère Sisteron le 19 août, et continue en direction de Gap, d'un côté, et vers Crêt de l'autre, en passant vers Aspres-sur-Buëch. Un groupe allemand y mène un combat de retardement, mais ne résiste qu'une journée. Le bilan est de 6 tués et 11 blessés, du côté allié, et au moins 21 tués, du côté allemand. Aspres-sur-Buëch est donc libéré le 20 août. Pendant quelques mois, un centre logistique américain y est installé. Après avoir été le siège de la communauté de communes du Haut-Buëch, Aspres-sur-Buëch fait partie depuis le 1er janvier 2017 de la communauté de communes Buëch d'Évoluy. Lieu et monument remarquable. Le porche de l'église du XIIe siècle. La tour horloge. Le monument aux morts des Premières Guerres et Seconde Guerre mondiale est situé en haut d'une colline, d'où il surplombe le village. Le village, vu de haut, ressemble à un escargot. La mairie arbore un cadran solaire contemporain, réalisé par les moines orthodoxes.
du monastère de la Dormition de la Mère de Dieu, qui est un monastère orthodoxe, situé sur la proche commune de la Forie, Hautes-Alpes, au lieu-dit Notre-Dame. L'igoumène actuel du monastère est le hiéromoine Silouane. Ce monastère dépend de la métropole grecque orthodoxe de France.